c'est Willy. Et Eric. Donc voilà pour la suite de l'ouverture du pack Final Fantasy Opus 6. Wouhouhou! Alors on s'est arrêté sur ce magnifique booster où j'avais des super cartes de la mort qui tue. Des chevaliers. Ouais, ça s'appelle des rebelles chevaliers. Des rebelles chevaliers de Ah, tout à l'heure c'est toi qui ouvres en premier, donc c'est moi qui l'ouvre en premier. Tout de suite. Donc là on est au deuxième booster chacun. Sur quatrième booster. Il y a une semaine. Ouais, bon, c'est bon. Ouh, un géant. Un jean. C'est un géant. Un jean. Ah ouais. Un jean, c'est ce que tu portes. Même pas. Monstre. Un géant. Donc c'est un monstre pour 0. Jusqu'à la fin du tour, le géant devient un avant avec une force de 9000. Lorsque le géant attaque, le géant ne s'active pas lors de votre prochaine activation de phase. Activer, c'est détaper en fait. C'est vraiment embêtant qu'ils ont mis les mêmes termes que Magic qui sont inverses en fait. Vous pouvez utiliser cette compétence une seule fois par tour. Parce que c'est très déroutant, je trouve. Il y a un temps d'adaptation, ouais. Tu vois, quand tu joues aux deux, qui est embêtant un peu. Oh ! Je te joue une ombre fatale ! Ewen. Ewen, l'ombre fatale. 5000. Si un adversaire contrôle 3 avant ou plus, Ewen gagne booster et Ewen ne peut pas être bloqué. Booster, c'est attaqué de suite, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est hérité imbloquable. On va dans la tête, quoi. Shira, peut-être. Shira canon. Jeune homme. Ah oui, mais heureusement qu'ils mettent que c'est un jeune homme. Soutien, X-Burst. Lorsque elle ou lui entre sur le terrain, vous pouvez chercher un avant Job Albatros et ajouter-la à votre main. Bah oui, bien sûr, un Job Albatros, on est rue. Hein. Hey, regarde, c'est la même que l'autre. Ah ouais. Mais c'est la même tout court, faut dire. C'est ça, hein. Ah ouais. C'est la même ou pas, Non, c'est même pas la même. Non, c'est pas la même. Non, regarde. Ah bah fais voir, dis-moi. Celle qu'on pensait qu'on a ouvert juste avant. Ça ressemble vachement, hein. C'est sa sœur, peut-être. Une harpie, elle a une épée, et l'autre une masse. Et une lance. Un bâton. Unité normale, soutien, donc c'est géomancien. Mettez le géomancien dans la break zone, choisissez un avant, entrez en train d'attaquer, infligez-lui 4000 points de dégâts. Ouais. Bon, c'était mieux. Bon. Mage noir. Unité normale, soutien. Oula, ça coûte 3 et 3, 6. Mettez mage noir dans la break zone, choisissez un avant, infligez 9000 points de dégâts. Ah, ça, je préfère. C'est super fort. Comme tu dis, ça coûte 6. Ouais, mais si t'es en train de perdre, t'es bien content de l'avoir. Hein. Oui. Astromancien. Soutien, unité normale. Révélez la carte du dessus de votre deck. Si c'est un soutien, ajoutez-la à votre deck. À votre deck. Ajoutez-la à votre deck. C'est pas moi qui dis mal. Hein. Révélez la carte du dessus de votre deck. Ah. Si c'est un soutien, ajoutez-la à votre deck. Si ce n'est pas un soutien, mettez-la dans la break zone. D'accord. Il faut que ce soit pas un soutien. Ouais. Je pensais avoir un truc cool, mais. Mais non, c'est l'inverse en fait. Karazume. Kurasama. C'est bien, j'aime bien. J'aime beaucoup le design. Ouais. J'aime bien quand ils font les personnages en grand. Ouais, même le fond, toi, c'est pas cherché, mais au moins ça. Ouais, change, c'est sympa. Très sympa. Mais c'est toujours pareil, on tombe sur des designs différents, des cartes. Mmh. Là, tu prends celle-là, tu commences à faire un jeu avec. Voilà, design comme ça, et tu tombes sur un comme ça. Même si celle-là est belle, les deux sont belles, ouais, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Avant, instructeur. Mais ils ont fait un. Ils ont fait un petit effort, je dirais, sur les cartes, quand même, en design. Avant, on dirait Albator. Oui, mais c'est Albator. Sauf qu'il n'a pas de truc et il n'est pas dans l'espace. Mais, non, mais son. C'est son. Mais son blouson. Mais oui, son blouson, ouais, d'accord, ok, bien sûr. C'est vrai, c'est pas faux. X-Burst, lorsque lui, Albator, donc, entre sur le terrain, vous pouvez chercher une carte Emina ou Kazasa et l'ajouter à votre main. Les avants glace que vous contrôlez. Autre que Kazame gagne plus 1000 en force. Kurasame. Merde. C'est lui en fait. Merdoum. J'y arrive pas. Là, j'arrive même pas à parler français, alors pour parler japonais. Kazusa. Et là, il te fait un doigt. Kazusa. Tu sais qu'en japonais, ça veut dire faire un doigt. Ça. Ah ouais, c'est vrai. D'accord. Tout le monde va vouloir faire ça. Mais... non, mais c'est les hommes de l'homme qui nous ont dit. Les mecs à lunettes, c'est des mecs intelligents, mais les mecs qui font ça, c'est des mecs intelligents, mais les stratèges.
C'est vrai. Non, je vais rester tout le temps comme ça. C'est ça, en fait. Ça va? Ouais, ça va. Bon. Soutien, directeur de recherche, tu vois? J'avais dit. Ah ouais, non, c'est le, là. Tu... Lorsque c'est lui entre sur le champ de bataille, choisissez un avant du lait, infligez 10 000. Infligez 10 000 dégâts. Bah ouais, c'est pour 5, hein. Non, mais c'est super fort, quoi. Alors pour 2, mettez lui dans la break zone, choisissez 2 avant du lait. Il coûte 5, hein. Bah... Non, mais j'aime bien. Hein. Ah, c'est un soutien à 5, c'est ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, je continue. Ah, ça, on l'a vu. C'est la vidéo d'avant. Donc on passe. C'est quoi ça? Et ça, regarde. C'est un casque. C'est quoi ton rôle dans la vie? Ben, je suis porteur de casque. Je suis porteur de casque. Mais j'en porte qu'un. Ouais, un gros, oui. Hugues Urgj. C'est ça? Hugues Urgj. Ex 5. Guerrier. Bon, c'est sûr qu'il y a une gueule de guerrier. Hugues Urgj. Voilà. Lui, donc, quand il arrive sur le terrain, vous pouvez chercher un job guerrier et ajouter-le à votre main. Des guerriers, là? T'en as vu ou pas? Je n'ai pas vu. Hein. Ah, voilà, j'en ai un là. Si vous contrôlez. On dirait une pomme. Ah, c'est une pomme en fait! Attends, si vous contrôlez nom de carte Léo, il n'y avait pas Léo tout à l'heure? Léon. Ouais, ça me parle, Léon. Non, Léo. Léo, on le cherche encore, mais Léon, oui. Ah, Léo, c'est Léo. Hugues, gagne plus 1000 en force et bravoure. Ils ont tout mélangé aussi. C'est une pop. C'est une figurine? Ouais, tu sais, les figurines pop. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Mais c'est moi qui dis c'est... Regardez cette vidéo d'avant, vous me dites. Non, j'ai pensé fort, mais... Ah non, t'as bien dit, mais non. Mais non, c'est un vrai personnage. J'ai joué un autre, ça. Yona, une figurine pop? Je te dis pas. Yona. Et si tu regardes mal, tu es en train de demander ce qu'elle fait, quand même. Je vous adore. Je suis sûr que tu penses à ça. Yona. Alors, résistante, Yona. Avant 7000, lorsque Yona... Linoa, pas Yona. Oh, merde. T'as commencé par Yona, quand même. Alors, si elle entre sur le champ de bataille, choisissez un avant que vous contrôlez, autre que elle, retirez-le du jeu. Ensuite, jouez l'avant retiré sur le terrain du lait. Ça blink. C'est ça. Pour faire deux fois la capacité. Si jamais notre trésor revient sur la table. Oh, bon, ouais, c'est quoi, c'est un avant? Ouais, c'est un avant, ouais. Ah. Sinon, t'aurais pu retirer celui qui... Ouais, qui fait, qui pète. Qui fait 10 000. Ah, vas-y, j'y reviens. T'as trouvé la combo du jeu. Ben voilà, ça c'était marrant, je crois. Non, c'est une L. C'est quoi les raretés, rappelez-moi, je veux bien. R, H, L, je sais pas. R, les R, les rares. Les rares, c'est les échos. Non, les C, déjà, c'est les communes. Communes, inco, enfin rare. R. R, c'est rare. H, héroïque, et L, légendaire. Alors là, j'ai une légendaire, t'as vu ce qu'elle fait, là? Bah, je crois que c'est ça, hein. D'accord. Épique. Épique quoi? Non, épique, c'est pas de H. Vas-y, voir tes cartes. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on est nul. On est vraiment trop nul, quand même. La pop! Ah, un deuxième pop! Tu peux faire un jeu pop. Mais c'est pas si gênant que ça! Mais oui, mais je vais faire un jeu pop. Ah, c'est pas si gênant que ça. Moi, je dis ça, mais je pas pop. Trop. Même, je vais avec. Mais tu peux pas faire encore des jeux. Cage. T'as vu la série? C'est pop, ce. Ah oui? Coiffeur. Bon, allez, passe suivante. Est-ce que c'est même pas ce qu'il a fait? Mais c'est clair, t'as même pas lu. J'ai enlevé. Tu veux que je lise ou tu veux lire? Alors, Kyros. Ah, du coup, je vais me saouler. C'est de l'eau, hein, pour ceux qui... Ah bah, tu nous saoules déjà. Alors, Kyros, c'est un avant-guerrier. Ah, tu vois. Lorsque Kyros entre sur le terrain, choisissez un avant que vous contrôlez autre que Kyros. Il gagne plus de 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Si c'est un avant de catégorie 8, jusqu'à la fin du tour, il gagne aussi booster, initiative et bravoure. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. C'est... Ouais. Et si c'est pop, alors? Hein? Et si c'est pop, tu peux couper les cheveux. Ah. On connaît ça. Voilà. Mais c'est les vieux trucs qu'ils ont réédités. C'est marrant. Mais c'est pas les mêmes, hein. C'est les mêmes. C'est les mêmes dessins. C'est pas les mêmes. Ouais, oui, c'est la même. Le même nom, le même personnage, peut-être pas dans le même sens. Toi. Ils ont peut-être changé un petit peu. C'est pour ça quoi. Ils ont pas de dessin en fait dans ce truc-là. Au bout de 200 cartes, ils ont pris tous les dessins, ils savent plus quoi faire. Donc du coup, ils vont les faire inverser avec Photoshop. C'est comme Dragon Ball, hein. Sans doute, oui, c'est le même, mais il est dans plusieurs positions différentes. Oui, mais ils ont plein d'images différentes.
Regarde. Une chaussure. Ça, c'est un gobelin, ça. Ah, ouais, non, c'est une chaussure, moi, pour moi, ça. Non, c'est un... Mais il est caché. Peut-être pas une chaussure, j'aurais dit un nounours. On dirait un... Tu sais, les trucs, là, la tête, là, le... Les trucs qu'on fait sécher, là, tu sais. Oui, les faisans. Mais non, le légume, là, pour sécher. Des faisans. Des courges. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je préfère des faisans, c'était mieux. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'a fait ta courge ? C'est un gobelin. Donc c'est un monstre. Gobelin. Il est donc, on s'en fout, il coûte 2. Pour 0 jusqu'à la fin du tour, Gobelin devient aussi un avant avec 5000 de force. Et lorsque Gobelin attaque, choisissez un avant, infligez-lui 1000 points de dégâts. Mmh. Vous ne pouvez utiliser cette compétence qu'une seule fois par tour. D'accord. Voilà. Ok, c'est clair, moi. Oh, la barbe! C'est barde. Mettez barde dans la break zone. Chaque joueur se défausse d'une carte. En fait, c'est un arc. Vous... c'est une... Un arc à 15 flèches. Ouais, 15... Comment on appelle ça? Ding, ding, ding. Ah, une harpe. Non, une courge. Non, c'est une harpe. Arc. Une harpe arc. Ouais. Une harpe arc. Voilà, une harpe arc. Une harpe arc. C'est une harpe arc. Ou une barque. En tout cas, vous ne pouvez utiliser cette compétence que durant votre tour. J'ai même pas écouté. Tu le mets dans ta break zone. Ouais. Et chaque chose te fausse une carte. Ouais, c'est nul. Tiens, ça. On connaît. Voilà. Ça. On ne connaît pas. Ouh. Une sirène. Oh. Presque sec. On voit ses attributs féminins, on va dire. Ah, bon, oui. Ah, oui, quand... ah, ouais, c'est vrai que. Honnêtement, ouais. Je me demande comment ça n'a pas été censuré, ça. Ouais, déplumé. Alors, X-Burst. Ouais. Choisissez un avant haut. Il gagne plus 4000 de force jusqu'à la fin du tour. Ok. Ah. Alors, pourquoi ils appellent ça une sirène? Honnêtement. Je sais pas. Parce qu'elle elle a une harpe aussi. Ah! Bah oui, tu trouves qu'elle a des queues, une queue de sirène? Moi je trouve pas. Hein. Bah non, mais ça dépend dans certains pays. Dans certains pays, les sirènes c'est comme ça. Les sirènes c'est comme les harpies. Ah bon? Dans certains, ouais. D'accord. Elles ont des ailes. Oh! Bahamut. Un gros méchant ça. Ouais. Ouais. Bahamut. Oh là, je vois rien du tout. Tu veux que je te dise? Alors. Invocation. Choisissez un avant. Infligez 10 000 points de dégâts. Ok. Bahamut vous inflige 1 point de dégâts. Ok. L'ex-burst de cette carte mise dans la dommage zone par cette dégâts ne peut pas être infligée. Attends. Ah ouais, ok. L'ex-burst de cette carte mise... Attends. L'ex-burst des cartes mises dans la dommage zone par cette dégâts... Par ces dégâts, ouais, ne peut pas être utilisé. Ah d'accord. Donc en fait, si jamais je te fais un dégât, si c'est un ex-burst, tu peux faire rien avec. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Par contre, tu prends un dégât, toi. Oui, tu prends un dégât, donc, mais c'est nul, en fait. En fait, si tu fais ça, tu vas tuer sa bête. Ouais. Tu vas prendre un dégât. Ouais. Et ce que mais ton dégât tu prends, utiliser tu l'ex-burst pourras pas de ce dégât. Dégât. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Ah, je pensais que c'était l'adversaire. C'est bon ? Ah bah du coup... On va passer une vidéo. Luc. Je suis ton père. J'ai pas voulu le faire, tu vois. Lorsque Luc entre sur le terrain, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez une carte de catégorie de catégorie 6 provenant d'elle. Hein? De catégorie 6 provenant d'elle. Ouais, ok, d'accord. Provenant d'elle. À votre main et placez les autres cartes de votre sous votre deck dans n'importe quel ordre. Ok, d'accord. Donc, tu prends 5. Tu révèles 5. Tu en prends une de catégorie 6. Tu mets dans ta main et les autres en dessous. C'est un tuteur et 7000. Bon, je suis pas fan. Yo, Kyoryu. Yo, Kyoryu. Yo, Kyoryu.
Yokuryu, c'est un monstre. C'est un dragon. Je pense que... Heureusement que je suis pas un mec international invité au Japon, tu vois. Le mec, il se suicidera en face de moi, je pense. Pour deux, mettez Yokuryu dans la break zone. Choisissez un avant ayant une force de 9000 ou plus, détruisez-le. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais les monstres, ils sont très forts. Hein. Encore un monstre. Géant des neiges. C'est un géant des neiges. C'est pas la reine des neiges, mais... Pour zéro, c'est ça, hein. Ouais. Mettez géant des neiges dans votre break zone. Choisissez un avant. Un avant du lait et... C'est pas pour zéro, c'est pour une glace. Un avant du lait, je l'ai lu, ok. Vous avez compris ? C'est une glace. Donc pour un glace, vous mettez dans la break zone, vous choisissez un avant du lait et vous le gelez. Et vous lui mettez... Un jeton, je l'âge. Ils sont où ? Je l'âge. Vous lui mettez un joli petit pion. Qui est dans voilà. Votre pack d'avant-première. Sinon... Oh, c'est le bordel, quand même. Okay. Alors, on a Matt. Matt. Alors, les avants de Job Moine et les avants et les noms de cartes Moine que vous contrôlez ne peuvent pas être dulés par des invocations contre... Ou par des invocations. On dirait moi Yu-Gi-Oh! Avec Franck, il est super bien et moi j'arrive pas à lire Yu-Gi-Oh! Là c'est l'inverse. Ouais, bah contrôlé par votre adversaire. Encore pour rien du tout. Contrôlé par votre adversaire. Lorsque Matt entre sur le champ de. Entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job moine ou nom de carte moine et l'ajouter à votre main. Et ben, tout ça pour ça. C'est clair. C'est un tuteur de moines et en plus ça a boosté des moines. Ouais. Ta dernière. Ricaro. Ricaro. C'est pas Ricardo. Ricaro. Ricaro, donc c'est un. Oh, chevalier dragon encore. Ah. Ah, le troisième. Exverse. Donc lorsque Ricaro entre sur le terrain, vous pouvez chercher un nom de carte Scott. Un nom de carte Scott ou nom de carte Mimuru. Mimuru. Ou nom de carte Joseph et l'ajouter à votre main. Ricaro doit bloquer si cela est possible. Je vais voir si on n'a pas un machin. C'est lui. C'est lui. Mais lui c'est chevalier dragon. Il n'y a pas Ricaro machin. Bah, je sais pas l'autre chevalier. Il y avait un autre chevalier mais il est où? Mage noir non. Chevalier, je l'ai là. Estinien. Salut. Non, c'est pas lui. Ok, bah, du coup, bah, on va s'arrêter là sur cette vidéo et puis on se retrouve pour la suite avec le dernier booster de chacun de côté. Moi, ça dure, et j'ai calculé, moi, ça dure 7 minutes. Soit ça coûte 25 minutes. Non, 18. Non, je j'ai pas regardé du tout. En tout cas, merci de vous suivre. Toujours pareil, vous pouvez nous retrouver sur www.ladl.fr, sur Facebook, Arme de Légende, au magasin. Et n'oubliez pas que je suis, c'est clair, les mecs ils savent rien, c'est plus que ça, oui, puis ils sont là. N'oubliez pas qu'à partir de août, je prends des congés. Il est au milieu de la caméra. Eh ben ouais, mais et les mecs bien, des mecs pas bien. Voilà. Et puis voilà, au pire des cas, on se retrouve en septembre si jamais je suis en congé. Et sinon, ben au magasin. On vous fait plein de gros bisous, merci encore d'être venus. Et puis à la suite pour le prochain épisode du dernier booster. Allez, bisous. À plus.